manam man mon la parce que si famille mon lay dundé sama yaay sama papa sama dom sama frère sama cousin ñep ay mon lañ dañuy dem geej donc ñun suñu alibi moy suñu ciossane mon lañ ñun naturellement jigen ak goor ñep mon lañ amuñu benn métier mon rek lañuy def dem geej. La pêche, c'est familial. Depuis les anciens, nous ici, c'est langue de barbarie qu'on appelle. Il y a des pêcheurs seulement qui nourrissent ici. Sans la mer, ici, c'est rien. Ici, on connaît que la mer. Le Sénégal a 700 km de côte. On dénombre près de 100 000 pêcheurs. Et la pêche également emploie directement ou indirectement près de 600 000 personnes. Et actuellement, on se rend compte que la pêche rencontre beaucoup de difficultés liées au contexte économique et social, parce qu'il y a une forte pression démographique avec une forte demande, mais également il y a des changements climatiques associés à des événements extrêmes qui ont des impacts directs ou indirects sur la pêche. Les poissons ont changé. La grande taille qu'on trouvait bien avant, on ne le trouve plus. On trouvait les dantex, beaucoup de dantex, on ne le trouve plus. On trouve beaucoup de tchof, on trouve peu des mérous, on trouve des mérous de petite taille et on trouve des mérous à grande taille et à une valeur commerciale importante. On trouve des phénomènes qu'on ne trouvait pas. Les vents aussi, il y a un dérèglement. Parce qu'aujourd'hui, tu trouves un alizé, si tu trouves l'almatan, les vents ont changé aussi de direction. Le vent, c'est fatigant à la mer. Si le vent est venu à la mer, nous, on ne peut pas, même pas résister sur ça. Il y a beaucoup de morts qui sont là-bas. Mais actuellement, comme météo est là, si le vent va venir, lui, il va nous informer avant, au temps, avant qu'on parte. Maintenant, on est satisfait quoi, par rapport à avant. De temps en temps, on a des événements extrêmes. En mars 2013, par exemple, nous avons eu des événements de forte houle avec des valeurs qui ont dépassé 4 à 5 mètres. Alors qu'habituellement, on a des valeurs autour de 2 mètres ou moins de 2 mètres de houle. Et pour cet événement, nos prévisions avaient montré 4 jours à l'avance qu'il y aurait un événement extrême. Et ça a été diffusé largement au niveau des services techniques. Malheureusement, il y a eu des pertes en vie humaine autour de 20 personnes. Et à l'issue de cela, il y a eu un conseil régional de développement et nous avons convenu de regarder la diffusion de l'information météorologique. Et à partir de là, on a pu développer des bulletins avec des codes de couleurs simplifiés pour qu'ils soient accessibles aux utilisateurs directs. En plus de cela, on a commencé à développer un système d'alerte par SMS avec une base de données des acteurs clés de la pêche pour que l'information leur soit directement transmise en cas d'alerte météorologique. Maintenant, avec l'information du météo, donc nous avons fait des panneaux, comme panneaux verts, pour nous dire qu'on peut aller geej. Nous avons fait des panneaux jaunes, pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons fait des panneaux rouges, pour nous dire qu'il y a un danger sur le geej. Donc, nous devons y aller parce que le danger, c'est très dangereux. Ces formations nous permettent de rencontrer les bénéficiaires des services météorologiques et climatologiques afin de connaître leurs besoins. Également de voir si les services fournis sont en adéquation avec leurs besoins, mais également de voir les problèmes rencontrés pour y apporter des solutions dans le but d'améliorer les services rendus. Pour organiser ces formations, on essaye d'avoir toutes les parties prenantes, aussi bien les bénéficiaires directs, mais également ceux qui peuvent constituer des relais. Ça peut être des journalistes, des services techniques, des organisations, groupements de femmes, les associations professionnelles, religieuses, culturelles. Avant, nous faisions une formation que nous faisions avec la météo. Quand on a la météo, on a trop de nous. Parce que nous avons des morts, des accidents, nous ne savons pas ce qui se situe. Ce qui a provoqué, c'est que nous allons aller dans la ville, nous allons aller dans la ville, nous allons aller dans la ville. En 1994, j'ai eu un accident, c'était mon cousin. Il est allé à la ville, il est allé. Après, quand on a vu le corps, il est allé, il ne peut pas justifier la mort parce que le vent était là et la vague. Actuellement, avant qu'on part à la mer, on va écouter le météo. Même on a le numéro de téléphone de météo. C'est lui qui va nous informer s'il y a un mauvais temps ou il n'y a pas le mauvais temps.
Si ça te renseigne quelque chose, que ça te plaît, tu vas partir et tu vas pêcher et tu vas revenir. Comme cette fois-ci. Un des points ressortis de la rencontre qu'on vient d'avoir avec les pêcheurs de Saint-Louis, c'est qu'il y a un besoin d'avoir des informations météorologiques plus affinées. Cela pose un défi au service météorologique, un défi pour renforcer les systèmes d'observation, mais également pour améliorer les systèmes de prévision afin de satisfaire ces besoins-là pour que l'information soit réellement prise en compte dans leurs activités. Aujourd'hui, avec les changements climatiques et les phénomènes, aujourd'hui, il n'est plus possible d'aller en mer sans avoir les données climatologiques et météorologiques. Parce que ça va nous permettre de réduire nos pertes de matériel et nos pertes en vie humaine. Et ça va nous rassurer pour une bonne capture. Et ça va nous permettre de sécuriser tous nos matériels.